Bonjour mes amis cancer, nous sommes dans le tirage intemporel qui va nous permettre de faire des choix pour avoir une réponse à une de vos questions. Je viens de faire le tirage, voilà, et vous avez donc la possibilité, si vous avez un projet, une question, des doutes, concentrez-vous dessus, faites un choix entre le petit chat, le collier, enfin, le bracelet d'aventurine et la tortue. Voilà, donc faites un choix entre ces trois objets, entre ces trois tas, entre ces trois choix, voilà, tout simplement. Et on y va. On va d'abord voir quelles sont les cartes qui sont en dessous du petit chat. En attendant de développer complètement ce choix, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et surtout, si vous avez la moindre question individuelle, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Alors, nous allons voir quel est, pour ceux qui ont fait le choix 1, enfin, le choix du petit chat, quelle est la réponse? Alors, on nous dit qu'il faut que vous méditiez et que vous soyez dans la contemplation, et ce jusqu'à la nouvelle lune en poisson. Donc, pour vous, il y a, avant l'accomplissement de votre projet ou une réponse positive à votre question, le besoin de méditer, d'être dans la contemplation. Voilà, c'est un cheminement qu'il faudra faire. Donc, selon à quel moment vous faites ce tirage, eh bien, vous regarderez quand est-ce qu'est la nouvelle lune en poisson? Et c'est à ce moment-là, si vous avez fait ce cheminement, que la réponse à votre question sera positive. Alors, les licornes, elles, nous disent que ce qui, en fait, est vraiment important pour cette réalisation, c'est l'influence de vos vies antérieures. Alors, je vous encourage à aller voir des vidéos que j'ai faites sur les vies antérieures. Comme ça, vous pourrez définir quels sont les éléments de vos vies antérieures qui vous influencent le plus. Et c'est sur ces éléments-là que vous pourrez méditer et contempler. Voilà, mais vos vies antérieures, vos démons de vos vies antérieures vous influencent aujourd'hui. Et donc c'est cela qu'il faut que vous calmiez. Alors, ensuite, ici le mantra. Alors, on dit... Ici, c'est une carte qui nous présente les trois phases de la Lune, d'accord? Et cette carte nous dit, je trouve un sens plus profond et un potentiel de croissance personnelle dans l'inconfort. Donc c'est un mantra qui nous dit, en fait, c'est l'équivalent de dire que dans chaque difficulté, dans chaque épreuve est cachée en réalité une opportunité. Donc pour vous, mes amis cancer du choix du petit chat, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire encore, même si la prochaine nouvelle lune poisson, en poisson est assez proche par rapport au moment où vous écouterez cette vidéo, eh bien il faut vraiment que vous travailliez beaucoup sur vous-même et sur votre capacité à positiver. À positiver et à ne pas reproduire vos erreurs passées et à en apprendre réellement quelque chose. Pour mes amis cancers qui ont fait le choix du bracelet en aventurine, alors, pour vous, la réponse est très clairement que la fin d'un cycle compliqué s'approche et que ce soit en la prochaine nouvelle lune en Capricorne. Donc voilà, ça c'est une réponse très très claire, très positive. Comment? Eh bien par le respect des cycles. Il faut que vous respectiez vos cycles d'énergie, vos cycles lunaires, vos cycles hormonaux. Il faut que vous respectiez les cycles de repos et les cycles d'activité. Donc si vous comprenez mieux vos cycles, eh bien vous y arriverez encore plus facilement. Et le mantra dit, je crois toujours aux directives de l'univers et je sais que je suis guidée. Donc, je crois toujours aux directives de l'univers et je sais que je suis guidée. Cette magnifique libellule ici
vous guide, c'est comme un ange. Alors, donc, soit vous n'êtes pas trop mauvais en anglais et avoir ce mantra avec vous, ça vous intéresse et vous pouvez faire une saisie d'écran, soit simplement vous le rentrez dans un traducteur et vous aurez la traduction exacte, qui est celle que je viens de vous faire, hein, mais vous pouvez comme ça la recopier tranquillement et vous gardez ce mantra et vous commencez à l'intégrer par rapport à vous. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit, je répète, je crois que l'univers me donne la bonne direction et que je suis guidée. Voilà, donc mais c'est une réponse totalement positive et donc dès la prochaine nouvelle lune en Capricorne, vous êtes assuré de la réalisation de votre projet ou d'une réponse positive à votre question. Alors maintenant le choix 3, celui de la tortue. Mes amis cancers, ceux qui vous avez fait le choix 3, alors elle nous dit que la chance est de votre côté, donc très clairement. À la prochaine nouvelle lune en Sagittaire pour vous. Donc à la prochaine nouvelle lune en Sagittaire, eh bien la chance sera totalement avec vous, mes amis. En attendant, dansez, dansez votre bonheur, dansez votre joie. Dans la danse, il y a la transe également. Donc dansez cette opportunité de chance. Allégez-vous. Soyez dans une énergie totalement positive et créative de votre corps. Et le mantra, celui qui va vous faire tenir jusqu'à l'arrivée donc de cette nouvelle lune en Sagittaire, elle dit que comment dirais-je, intraitable au sujet de mes désirs et je crois et ce en quoi je crois me permettra de grandir et me fera grandir et je ferai grandir. En fait, c'est l'ensemble de ces trois cartes vous disent il faut juste y croire, croire en votre chance et elle va arriver. Soyez super positif, soyez super expansif, soyez super créatif et à la prochaine nouvelle lune en Sagittaire, eh bien votre projet, votre demande sera totalement positive. J'avais tiré un petit message global et pour vous, mes amis cancers. Alors, le premier message dit que le pardon est un acte de conscience. Donc le pardon c'est pour vous. Le pardon c'est quelque chose qui vous aide vous à progresser, vous à avancer. Et le deuxième message c'est que mon bonheur est le reflet direct de mon niveau de foi en l'univers. Donc si vous croyez en l'univers, si vous êtes positif dans vos demandes, eh bien vous serez exaucé. Merci beaucoup mes amis cancer. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Merci beaucoup et à bientôt.